Ah, j'adore ma femme, je l'ai rencontrée en boîte. Tard dans la nuit, très tard dans la nuit. Quand les belles sont déjà parties. Et j'adore ma femme, c'est elle qui m'a choisi. Et d'ailleurs, c'est toujours les femmes qui choisissent, hein, parce que si c'était nous, on choisirait mieux. Et pourtant, j'adore ma femme, et mieux, j'adore les femmes en général. Et je crois même que quelque part, ça m'aurait pas déplu d'être une femme. Ah. Arrête, je vais faire pipi. Avoir 100 euros et être capable d'en dépenser 200. Faire l'amour comme une lionne pendant des heures et des heures et être capable au moment le plus chaud de dire « Fais attention à la couette, je viens de la laver !» Eh bien moi je regrette. Moi quand j'ai fini de cuisiner, de ranger, de repasser, qu'il est tard, que la journée est finie, que je suis enfin démaquillée, s'il faut encore jouer les stars du porno pour avoir un petit câlin, eh ben merde. Alors quand il vient me voir avec son air mielleux et qu'il me dit « j'ai envie de faire l'amour », je dis « moi aussi, mais pas avec toi ». Moi j'adore ma femme, mais pourquoi? Pourquoi quand j'ai envie de faire l'amour avec elle, elle veut jamais, et quand elle a envie, je dis jamais non. Un homme qui ne parle pas, c'est normal. Une femme qui ne parle pas, c'est qu'elle a un problème. Parle-moi, parle-moi, tu ne me parles jamais, parle-moi. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce que tu veux, mais parle-moi, parle-moi. Il ne vous écoute pas. De toute façon, quand un homme vous écoute, c'est qu'il veut vous sauter. Ah non, mais il n'y a rien de plus chiant qu'un mec malade, vrai ou pas? Ah non, mais c'est du boulot d'être une femme. Moi, des fois, je me demande où je trouve la force de passer 3 heures dans la salle de bain, à me maquiller, m'habiller, me coiffer, tout ça, pour finir en 3 minutes, à 4 pattes, le nez dans la moquette, la jupe relevée, les cheveux défaits. Oh, mon chéri! C'est toi qui as changé l'ampoule du couloir! Ah, tu es trop fort! Si tu veux garder un homme, trouve son petit ventre confortable, ses ronflements berceurs, sa calvitie pleine de charme, son petit sexe très impressionnant. Moi, ce que je voudrais, c'est un homme qui m'aime à en mourir. Mais un homme ne peut pas mourir d'aimer. Il s'endort toujours avant. Une femme qui vous emmerde pas, c'est une femme qui vous aime pas. Et moi, ma femme, elle m'adore. Vous connaissez la mutuelle Fatucci? La mutuelle Fatucci, c'est une mutuelle comme les autres, mais c'est pas tout à fait une mutuelle normale. Parce que les mutuelles normales, les gens sont remboursés après l'accident, alors que nous, ils nous payent avant pour pas en avoir. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Je plaisante avec la dame. Je ne me moque pas, je plaisante. Excusez-le, madame, c'est Pedro, mon associé, un portugais homosexuel. Comme je dis, à force de faire du carrelage à 4 pattes, voilà ce qui arrive. Hein. Ça va bien? Je me présente, Sauveur Fatucci. Je suis le directeur de la maison de retraite de la Vanne Bleue. Vous avez fait bon voyage? Eh bien, tant mieux, madame Pagès. Eh bien, bienvenue dans votre dernière, votre nouvelle demeure, madame. C'est nous, on fait l'amour le lundi soir. Comme c'est moins chargé le lundi, je suis en forme, je donne. Elle me dit, non, ce soir, Walou, Tintin, t'as qu'à te gratter, toi qu'à faire des pompes, c'est le même geste, sauf qu'à la fin, t'es pas obligé de gueuler. Ah. Oh, c'est le pire, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il... Il vient me voir hier, tu sais ce qu'il me dit hier, avec sa tête comme ça. Il vient me voir, il me dit, ouais, patron, je me suis renseigné auprès des services agréés, j'ai droit à des congés payés. Des congés payés, Domi, j'ai dit. Tu veux des congés payés, tu veux pas que je te déclare non plus, non? Moi, j'ai un cousin, une fois, je lui ai demandé de faire sauter un PV, il a fait sauter la gendarmerie, c'est pas beau. Après, le maillot auquel je pense, c'est des grenouilles, le maillot des grenouilles, il est... Ah, le voilà. J'adore ce maillot, regardez comme il est beau. Ah, ben oui. Alors, je vous ai mis du 48 parce que ça se porte près du corps, hein. Domi, Domi, viens voir, Domi. Domi, il y a des Anglais à la 12. Au fil-leur les sols. Elles sont limites, mais c'est ce que je te dis, c'est des Anglais. Elles sont vertes. Eh ben, tu leur dis que c'est des sols bio. Alors, on lui a parlé un petit peu à ce jeune.
On lui a raconté l'histoire de ce Parisien qui voulait monter un golf chez nous. Il les a eu, ces 18 trous. Jean-Pierre, toi qui as une bonne vue, ça me plaît pas. La voiture bleue qui arrive là. Putain, ça recommence. La voiture bleue, c'est quoi la voiture bleue? Oh putain, t'as raison, c'est le commissaire, je l'ai pas reconnu, il m'a fait peur ce con, je crois que c'est les flics. Oh. Chez nous, il y a de tout, chez nous. Chez nous, il y a de la ghanéenne, il y a de la chinoise, il y a de la thaïlandaise, il y a de la brésilienne. Et à ce sujet, je voudrais saluer Roberta, la directrice de la maison du Brésil, qui est un mec comme ça. Dites, vous avez vu qu'ils veulent verbaliser les clients des prostituées? Ils sont fous, hein, s'ils font ça, le Sénat, il ferme, je vous le dis. Hein. Oui, je te trompe, voilà. Je te trompe, voilà. C'est une raison pour faire un scandale comme t'as fait au restaurant devant tout le monde hier soir. Parce que tu souffres. C'est dur d'être trompé. Et tu crois que c'est facile de tromper quelqu'un, toi? Société, ouais, société. Transport. Gros succès de l'Autolib à Paris. C'est à Paris de l'Autolib. C'est l'auto en libre-service. T'as besoin d'une voiture, tu la prends, tu pars avec. Bon, moi, j'ai grandi à Toulon dans une cité, ça a toujours existé l'Autolib. Toujours. Moi, pour savoir où sont mes limites avec l'alcool, quand je vais dans une soirée avec mes amis, la première chose que je fais, j'ai cherché la nana la plus moche, mais la plus moche. Je la regarde bien, puis après, je vais faire la fête avec mes potes. Et de temps en temps, je reviens la voir. Et quand je commence à la trouver jolie, c'est des fois que j'arrête de boire. Corse, ça faisait 10 ans que j'étais pas en Corse. 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, j'avais rencontré un copain corse qui m'avait dit « Si tu viens en Corse, ta carrière va exploser. » J'adore la Bretagne, j'ai énormément de respect pour le Breton parce que je trouve qu'il faut énormément de courage pour rester en Bretagne. Même la mer, toutes les 6 heures. Technologie, les ventes du nouvel iPhone en chute libre. Ah oui, le nouvel iPhone à reconnaissance faciale, vous savez, vous le mettez devant le visage, il s'ouvre, il vous reconnaît. Et ça reconnaît tous les visages, hein, carré, plat, rond, avec des bosses, pas des bosses, c'est les Bogdanov qui ont fait les tests. Bon, une fois, j'en ai pris un en déconnant, je lui ai montré mes fesses, il a dit « Bonjour, maître Gibbs ». Pareil, l'autre fois, il y a un mec qui s'est fait greffer les deux mains. Il avait perdu les deux mains. Il a absolument tenu à savoir qui lui avait donné les mains. On n'a pas voulu lui dire. Il se doute que c'est un fonctionnaire parce qu'il les a toujours dans les poches.